kia 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 mosakoli azana mboka zambe apambola bino mbote mbote na bandeko nyoso kozola na biso na tango oyo. C'est bien moi votre frère le prophète Michel Kanyon Bakinga Sitia na lingi juste na pesa bino mbote sika nyoso kozola mi parce que to komi ngonga na biso ya losambo ngonga na biso oyo to yokaka maloba na nzambe na lingi yo partager mission oyo pa ya même 10 personnes ça dépend. Je suis un peu mais partager parce que c'est une mission où ils ont son travail de bébé, où ils ont pas mon appel à vie à Badou, et béni, et béni, et béni. Je ne pas mon appel partout ce que vous joignez. Je suis tout ça, mais là, il y a mon domaine. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ces moments précieux que tu nous as accordés. Merci pour ton onction, merci pour ta grâce, merci Jésus. Seigneur, on a dit qu'il t'a on a ma boucle, on a dit mon santo. Dobe la biso, mon limo santo assiste biso, to simba peto mona. Na laquelle ma bien mouya nyo se koya na distraction, la voyage de conseil. Yo simba kamite, ma simba mite mana biso. La Bible nous dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père éternel, je vais être poussé par le Saint-Esprit. Bénis ces moments dans le nom précieux de Jésus-Christ et de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Que Yahweh Shama vous bénisse. Aujourd'hui, je veux parler sur la dîme. La dîme. Je vais parler sur la dîme sous terme d'Anglais Ali. Dîme, clé de la prospérité. Dîme, clé de la prospérité. Dîme, fungola, yako fuluka man. Fungola, oye ko sala ke yo fuluka. Fungola, oye ko sala ke yo mata. Fungola, oye ko sala ke yo zuambongo. Et au fond, dans le domaine de Nyon sur les alliés, dîme. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de questions dans le sujet où il y a dîme. La dîme, c'est quoi? Est-ce que faut payer sa dîme? Est-ce que dîme est volontaire? Dîme est obligatoire? Dîme est. Dans ce cas, la question est tellement ébellée, ébellée, ébellée. Pourquoi? Parce que, on écoute bien, on va s'en mais la terre est à la penza et à monter. Or, il y a un peu. Il faut enseigner à mon bana nzambe. Faut que l'ouvre la mon bana nzambe. C'est très 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 important. C'est très important. Vous le lobby, tant que l'icolo, ma belle, ma pata, moi, et kozala, loi et sema, il y a moisson, et aussi la tête, et kozala kaka. Et dit mes offrandes volontaires, t'es né et tout le bague, ce que l'ingi au PC, t'es dit mes offrandes volontaires, t'es dit mes offrandes volontaires, t'es offrandes des involontaires, tu es l'ingi dans le PC. Mais ça différent à dîme. Dîme est obligatoire. Dîme est loi. Dîme est mobeko. C'est ce qu'on appelle la dîme. Et il y en a l'obara souvent, quand la chose est mal définie, la vie est inévitable. Il y a un morceau, un papier, un cahier, bic, soit cahier, soit bic, parce que le notre recoma. Et on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va lire la parole, on va faire ça verser, pour développer en haut. Mais il dit que Nzambe ya lola a kozangate ko pambola biso. Que Yahweh Sabaoth vous bénisse. Je vais commencer par la définition. La dîme c'est quoi? La dîme c'est quoi? Dîme c'est la 1/10 de notre revenu. La dîme c'est quoi? La dîme, c'est la 1/10 de notre revenu. La 1/10 de toutes choses que tu possèdes. C'est ce qu'on appelle la dîme. Dans le lobby, dîme, il y a bilo ognon soza nango. Tu peux commencer à donner à Dieu la dîme, il y a journée. Dîme, il y a mois. Dîme, il y a année. Dîme, il y a mongo. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment organisés. Oh yo, après ça va dire que dîme y a moi, na moi au pays singa calculé, dans un 30 jours par mois, 3 jours dans le pays ça monte mais parce qu'ils a 10% il y a 30 au dans un mois. Année toi on a combien de jours? Toi on a 365 jours dans le pays ça monte mais 365 jours, mais dans un 36 jours naie. Moni, ils a dîme y a au niveau surtout. Mon toisan a monza ma pèse n'a 365 jours pour la zone c'est là 36 jours naïe. Nzamba pèse n'a 30 jours pour la zone c'est là 3 jours naïe.
Nzamba pesi na 100 millions fou na zongi se la ye 1 million na ye soki 10 millions na ye. Nzamba pesa kanga $2,000, 2000 euros, il faut na zongi se la kaye 200 euros na ye. Nzamba pesa kanga 300 euros, il faut na zongi se la kaye 30 euros na ye. C'est ce qu'on appelle la dîme. Et ce qu'il faut retenir, c'est quoi? La dîme n'est pas optionnelle. La dîme n'est pas optionnelle, mais la dîme, c'est une recommandation, soit c'est un commandement de Dieu. Dîme est un mobé kouyanzami. Dîme est un que ce qui m'ont aligné. Ce qui m'ont aligné, c'est que je suis simbi bien. Moni kutu mbongo ba ofuta ngeza kutu bi eza kutu mukie ezoko ka kutu tena ba facture eleki ebele ba facture wan etali nzambe eza commandement mobeko eza lola se bwana mboka moko boye ba biso na mboka o po vivre bien po ba peso mukanda fo za la ndumba to po za la pede siko yo lobi ke po kana zo mukanda fo na ko ma pede te ou tu ran en faire avec qui qui ndumba na yo wana kosala to pe na mboka oyo po osala bien fomé la ka drogue yo po komo me la drogue po ka kozwa mukanda non mobeko feti kala mobeko ta nzamba lobi ko simba te ata balobi ke soko sali boye nde okozwa oyo lokole za nzamba pekisa na ko simba te vonye na zwa nange loko na bino te bozo la kanga mena to sande mobeko wa nzambe. C'est de même avec la dîme. Au cause de la facture est augmentée et commis cher et yé cher, mais il y a un rapport mon côté na dîme. Donc ils ont la facture na gétika et commis cher, vous mena tika la main vide, vous mena comme na facture na nyongo ya facture, mais na zala na nyongo ya nzambe. Donc autant na ba verset biblique au comprendre ma kambo na zoe psayo au comprendre. Tout bandano na Deutéronome chapitre 14 verset 22 à 23. Deutéronome 14 22 à 23. Deutéronome 14, 22 à 23. J'ai lu la parole au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Tu leveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. À Bible, on va même que, et ça, mon béco, oyo moutou, il faut opé sa dîme. Ya, nyo sotou oyo nzamba zo pe sa ona maboko na yo. Nyo sotou oyo zo kwe na maboko na ofu pe sa dîme. Yo dîme ya petit bétail, ya gros bétail, ya huile na yo, ya bilanga na yo, ya dîme ya premier né na yo. Donc dîme ya nyo sotou oyo zo kwe na maboko na yo. Olo bala miso yo banga nzambe, est-ce que tu donnes la dîme? Nous nous appelons à la dîme de Zambi. Nous nous appelons à la dîme de Aliba Nzambi. Nous nous appelons à la dîme de Azamoui de la bandée de Mouni. Nous nous appelons à la dîme de Azoui Banzambi, Azoui Scroke Nzambi. Nous avons avancé pour comprendre ma caméra Zoloba. Après, nous avons dit que bien, puis nous avons ma caméra Zoloba. Et Dieu va te bénir. La dîme, c'est quoi? La dîme est un rappel. La dîme est un rappel constant que tout ce que je vient de ta main, Dieu. Dîme est un rappel constant aux yeux de ta dame que au Dieu son nanango, au Dieu son azu dans ma bouche là-bas et où tu es pas dans les amis. C'est ce qu'on appelle la dîme. Donc dîme est nous trois on paie sa dîme, n'a pas le bon terme. Dîme est acte, il y a reconnaissance. Quand tu donnes ta dîme, tu reconnais que c'est que je n'a suis un fort n'angate n'a sali ma cassité malgré l'homme ma tombe dans ça la 8 heures du temps dans ça la 5 heures du temps dans ça la 4 heures du temps mais ma cassion n'a zo la mouke la tombe pour que de ça la pendant 8 heures du temps
na su yango e pa na ngate muto apesi nga makasi wana eza yo nzambe yango wana na retour na sozongisela yo oyo c'est ce qu'on appelle la dîme quand tu ne donnes pas ta dîme tu veux mbala moko ozolinga koyebisa nzambe ke naosala na makasi na nga mungu na makambo naosala yo oza te lokola oza te c'est qu'oza mpe na parti. Et dîme, et zola qui s'en a mec, soit qui n'a sali n'a sala d'un amour, yom tope singa makas, yom tope sa ramusala ou, yom tope singa ne ou, yom tope singa moi ou, yom le quoi n'a reconnaissant, n'a son qui s'est dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est donner à Dieu sa première place. Dîme, et sa copé sans âme, place n'a yé, yadi bosso. Si réellement Dieu occupe la première place de ta vie, il faut donner la dîme. Quand tu ne donnes pas la dîme, aux autres, ils vont dire que tu as vie dans la première place. Parce que dîme, ils ont dit que tu as une bonne chose, tu as une bonne chose, tu as une dépense. Ils ont dit que tu as une et tant que tu as une bonne chose, tu as une bonne chose, tu as une bonne chose, la première place dans la vie. Mais tu as une bonne chose, 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 tu so ko zumbo ko kanisa ka neni no kabila mutu neni no sala boy yibaka batwa li boso yo kanisa ka tango zwa mbongo bango ne bazo occuper première place na vina et tango zo zwa mbongo zo kanisa li boso nzambe ki avana sala yo so il faut na longola no première par ya nzambe 10% ya nzambe atana zwi 100 millions il faut nzambe azala na part yo kate bagage na fada ki l'église mama mo kwa yo avana ko teka parcelle na ye 85 000 euros. 85 000 euros. Et dollars, quoi. Tant que le parcelle n'a pas été en guérin, il a été vraiment dans le goudron, dans la direction, il a été parcelle à bien. Et puis, papa, on va tout ça, mais là, nous avons eu à ça. Ce que nous avons eu à ça, papa, nous avons eu à ça, nous avons eu à ça, nous avons eu à ça, dîme, et pas à ça. Mais c'est bon. Tant que tu sens bien, tu es bien. 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 Maman a quitté, n'a pas quitté. Après quelques temps, après bah, deux, trois semaines, na, mouna, maman a été dans la maman, maman, ka, papa, dans la maman, ka, mouna, zo, sala, okipe. Et comme ça, la que maman a l'air qui a l'air qui est le colonnaïe, il y a droite, et comme ça, la douleur, na kati a moukoua. Pas si ma casse à l'hôpital, bah, tu viens, bah, ton, bah, ni, les signes. Même si pas quoi, bah, ni, ni, bah, ça, bah, ça, bah, ce qui va, l'échographie, bah, le roman. Abeninga. Na ici et ça ça c'est une de qui va bétu. Soyo la nyam bon bon kato lokolo ya ka na za. Ay na za. Prier 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 nzambe pe na ngolu na ya fungoli misu. Na ba dieu ebisa etala makambo esala makibu etala makambo esala makibu. Mutu moko pesa ki mbongo ye papa ya solo. On a aussi prié. Et tant to si ici ko sabe la tant to ngito ba no sabe to na nzamba kamosi. Na ici to sabe la to mola makambo. A ton moli ma beaucoup, tu vas Dieu sambe la. Na ba Dieu sambe la pona. Et Seigneur n'a pas moli. La déclarase à la béni. Dame, na boni li soupo na parcel wana. Le pan wane te kama na kumba Jésus Christ. Amen. Dans l'ambi, amen. Na msi, maman, amen. Amen. Sko maman, zaki ma beaucoup en tombe. Dans l'ambi, amen. Amen, papa. Na moni maman, tika kama beaucoup en tombe. Et c'est maman telema. To si lisi. Maman, zo force à telema. Maman, beaucoup bané kama me di polo. Je suis un peu plus de temps. Dans mon akinde, moi je repère ça, il y a 10 000 les athées. Tout le temps, à Zuina,
alobi to sambela soki nzambe apesinga na kuzongisa etango azui akomi komona oya kotikala na mumukie oya kopesa nzambe za ebele. C'est juste parce que Nzambe a occupé première place dans la finale. Si réellement Nzambe a occupé première place dans la finale, il faut nous la dîme, c'est très très important. À cause de la dîme, va te bêler, à cause de la dîme, par Nzambe, va te bêler, va frapper dans la maladie, va te bêler, va frapper dans la koufa, pour la lia ka dîme, que Yahweh Shama vous bénisse. La dîme, c'est une chose consacrée à Dieu. Dîme, Eza et Loko Oyo, Eza consacré et pas à Nzambe. Lévitique chapitre 27, verset 30. Je lis la parole. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit des fruits, des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Bible dit, dîme nyonso, ezala ya mbuma ya mabele, ezala oya bilanga, ezala ya salaire na yo. Eza ya nzambe, ezeloko eza consacré, ezeloko eza mis à part. Et tiama peme nipo na nzambe. Écoute, na vie ya mutu, na biloko nzambe ye mokwa salaka. Nabiloko nzambe ye moko apesa kabiso. Apesa kabiso nyo sote. Nzambe soka apesi yo yeba ke nakati ya makambo apesi yo bana ye pezali. Nzambe soka apesi yo bana yeba ke nakati ya bango nzambe apesi yo bana ye pezali. Ya mwono mwona kamutaboti bana 10 mena bana 10 wano mwoni moko wabimi mosali ya nzambe. Moko mutama yela za wakatama boti bana na ye moko na kalkina yazo yeba ke nakati ya bana na ngani yo sobwe John oyo funa pesa ye pa nzambe. Donc, aza consacré par Nzambe. N'a pas l'onion son Nzambe à Pessinga. Il faut na pesa oyu. Po vina ngai pambouama. Po na kende liboso. Po na zala bien. Po na zala na problème Nzambe. Loko na Nzambe à Pessinga bana. Et ça te kena so mwana anana boma ye. Même via mwana oye koza loko la Samuel. Il faut zala ka na église. Afandi nena ba ninga na nandaku. Azo tanga classe nengi moko na ba ninga. Menga moko na yedike ye. Il faut sali na Nzambe. Fona tinda ka yin église. Il faut avoir ta culte, il faut aller dans l'enseignement biblique, il faut aller dans le codim, parce qu'il y a une carte qui est par Nzambe. Amen. Nabi loko nyonso Nzambe apesa kabiso. Na oyo Nzambe ye moko asala. Atikaka par na ye. Exemple. Nzambe asali jardin na Eden. Dieu a tout fait. Aye bisi mutu lia nyoso simba nyoso. Me oyu ko simba te eza pana ngayi. Mukolo ko simba yango ko kufa. Dim eza pari ya Nzambe na biloko yozana. Kufa ekoti na fami na yo, ekoti na vina yo, ekoti na sante na yo. Kufa ekoti na musala na yo, kufa ekoti na badomene nyoso ya vina yo. Se paske ozo simba eloko eza interdi. Ozo simba sacré, ozo simba loko eza consacré pa ya Nzambe. Ozo simba loko Nzambe loba ko simba te. Du fait que ozo simba yango, yango so bono komi lelo malade lobi malade. Mama, est-ce que tu donnes ta dîme? Papa, est-ce que fouta ka dîme? Dîme ba pesa ka te dîme ba fouta ka. Est-ce que fouta ka dîme? Est-ce que pesa ka dîme yo régulièrement? Il y a beaucoup de gens qui donnent la dîme quand il y a saleur. À part saleur, ils ont beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Tu dois aussi donner la dîme, il y a un copo au salaka. Tu dois aussi donner la dîme, il y a un bon mot à Kabela Kayoana. Tu dois aussi donner la dîme, il y a un mot au Bimaki, au Zumambo, au Mombo. Il faut l'envoyer la dîme. Il faut l'envoyer la dîme, il y a un nioso et ça n'a pas beaucoup. Pourquoi on l'envoie la dîme de maman? Pourquoi on l'envoie la dîme de papa? Dîme, c'est le présent consacré. Adona F, ma koufa, ma koti saka koufa na mokili. Parce que ma simba ka eloko eza par ya Nzambe. O eza par ya Nzambe ma simba kate. O eza par ya Nzambe ma lia kate. Ozo lia o eza par ya Nzambe. Ozo lia o eza dim ya Nzambe. C'est pour cela santé na yo e koufa. C'est pour cela di bala e koufa. C'est pour cela nyo sozo sa lezo simba te.
C'est pour cela que mon avancement est même l'icolo à banana yo. Parce que on lit à ka par yanzambi. Par yanzambi, balia kate. Balia kate, maman, balia kate, papa. Au pesa din mvula nini. Ane nini yo, au pesa déjà din. Ne comment vous avez dit, prophète, n'a banana, vous avez dit, on a pesa din. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Aux autres, sans âme, papa. Aux autres, sans âme, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu veut que nous comprenions que la demande est la clé de la prospérité. Nous avons dit que tout ce que la dîme est un fumo la prospérité. La dîme est aussi l'une des façons de donner à Dieu. La dîme est aussi l'une des façons de donner à Dieu. Dîme est appelée le lingue pour qu'il y ait un peu. C'est la clé pour la prospérité financière. C'est la clé pour la protection divine. C'est la clé pour la santé divine. La dîme. Dîme est la clé pour qu'il y ait un peu de makamo et kangamaki. Il y a des esprits qu'on appelle les dévoreurs financiers. Oh, bah, il y a qu'à dévorer finance na yo. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tant qu'à suivre mongo, à qu'on soutouka mongo, mais si il y a des gens qui va projeter. Tu fais des projets, mais c'est réalisé à côté. Pourquoi? C'est juste parce que quand tu fais des projets, au long de la carte, par yanza, mettez tant qu'à suivre mongo. Et ça, on va te bêler mongo. Azana na ba projet soka zu mongo au mona bosa ni ba projet ce mongo sili ni ba projet yo kanisa. On appelle cet esprit là les dévoreurs financiers. Ba yaka ko dévorer finance na yo. O ba yaka ko yiba mongo na yo. Ba yaka ko yiba mona nzela ya ba malade, na nzela ya ba dépense. Mongo ezaki na maboko sali sali ba dépense surtout que tikali ne lokote. Avec na ba ba dévoreurs financiers. Mais Bible le dit qu'on a monté à Zopé, ça dit dans Malachie, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dans des dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. Malachie chapitre 10. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Bah, dévoreur financier, bah, y'a qu'à dévorer finance na yo. Mais y'a qu'à dévorer santé na yo. Bah, y'a qu'à dévorer santé na yo. Parce que je vais dévorer santé dans le lot malade, au survivre dans la kisse. Nous avons passé à la hauteur du barana kisse. Va dévorer banana on a dit boum. Va dévorer mes toiles à banana au pot, si banana va s'arrêter de l'autre côté. Mais esprit on est à dévorer, va y avoir pour dévorer santé. Va y va maïe la banana. Va y va misala. Ozo loukamoussa, ozo zoate. C'est parce que ça n'avait esprit on est à dévorer. Et Bible le dit, pour la bateau, ma paix, ça va dire dans Malachie chapitre 3. Au commandement même dans verset 10. Au verset 9, il faut qu'il dit, il est assez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve dans les dîmes et les offrandes. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Bon, donc, la famille, la Bible, vous allez m'énoncer sur la paix, ça va dire. La dîme amène la protection divine. La dîme amène la santé divine. Nous devons payer sa dîme, santé naïve, vous allez assurer. Nous devons payer sa dîme, vous allez protéger financièrement. Nous devons payer sa dîme, vous allez protéger. Vous allez prendre en charge la santé divine. Nous devons payer sa dîme, la porte est au fond de moi. Nous devons payer sa dîme, vous avez besoin d'acquérir des retraites pour la porte au fond de moi. Nous devons payer sa dîme, alliance, il y a dîme et gamme à Caponaïe. Alliance, il y a dit, mais quand on a dit, tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être ministre de Dieu, tu peux être prophétesse, tu peux être ce qu'il n'a dit. Mais si tu ne donnes pas la dîme, au copamboamate, avec toute l'onction que tu as, tu ne seras pas béni parce que tu ne donnes pas la dîme. Nous, toi, après ça, la dîme, tu es ma bonne toboka. Comment est-ce que tu peux être béni tandis que toi, tu ne donnes pas la dîme, maman? La dîme est la clé pour la prospérité financière. Au cas où j'ai 100 jours à 5, on ne va pas mourir dans mon mot. Au cas où j'ai né, n'est-ce pas que j'ai né. Mais si tu ne donnes pas la dîme, tu seras toujours bloqué. Au cas où on a besoin de mon mot, quand il n'y a pas mourir, nous aurons des abats miettes aux osoies. Que Dieu vous bénisse.
On va continuer, on va continuer dans l'enseignement sur la dîme. Dîme est la clé à prospérité financière. Dîme est la clé où est fungo la kamakamu. Dîme est la fungo la où est kango la kam. Que Yahweh Sabaoth vous bénisse. Par contre, ça a été témoignage, il y a un témoignage, il y a un écho, à tambour, il y a sambele, simité, mais il y a un salissier sacrifice. Il y a un salissier papa. Ton gêné c'est bon, ton sali c'est bon, mais le problème de la maison c'est que c'est sacrifice. Et quand il a fait le sacrifice, ma kame fumwa, que mon Dieu vous bénisse. Même il a sambe la pona, yo kama mama, yo kama papa, yo pe sa ka dignité. Il faut soit des sueurs pour pe sa dignité. Il y a beaucoup de gens qui ont pe sa dignité. Dans mon pe sa ka dignité, osa na ba nyongo yanzame. Dans mon pe sa ka dignité, osa na ba nyongo yanzame. Il faut renouveler l'alliance yadim. Peut-être au bataille qu'on paie sa dîme, mais au kataka, il faut renouveler l'alliance. Bah renouveler l'alliance, il y a dîme d'engenim. Bah renouveler l'alliance, il y a dîme, n'a qu'au fout dans le col à nyomo, n'a qu'au ça la sacrifice, mon beau. Seigneur, n'a ça n'a pas monté. Ceux qui n'ont pas calculé, bah mon oignon, son alliage, il faut les guébeler. Papa, n'a sur le col à symbole. Na pesi ya moloko la sacrifice ya culpabilité nanga nzambe limisanga parce que na lia ki badim na yo nzambe yo kanga ma parce que na lia ki badim na yo mais on a pesi seigneur elongo la masumo na salati on a pesi et couvrir badim nanga na pesa te et puis ko yo zongeli siko ko pesa badim na je vais prier pour toi yo zala na posa ko pesa dim moye balate que ligo ba na ko pesa na sambe la bonne. Père éternel, je prie au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. N'a déclaré faveur na yo. Ne gonyo so la ndinga, moli mo santu yo si maramité ma sima mité ma. Moli mo santu, bibo bi se poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Na odio lo ba, o ez etali na te makambo etali yo. Et outi na kati ya Bible. Yo ne muto poussé na na lobe la peuple na. Na lingo fungu le solo na. Seigneur, muto nyo so la ndinga, na pokwa ko. Dans le nom précieux de Jésus-Christ et de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Zamba pamola bino, et si kanyon so bozoami, zamba pamola bino partout, si kabozo la nation. Zamba pamola bino. Nalingi to s'abonner massivement et puis to partager c'est kabola lié pas ya bandeko mususu pe ba partager ensemble nayo balanda ka chaque jour maloba oyo ya nzambe et nzambe ya lola akosanga te ko pambola biso que mon Dieu vous bénisse parce que si moi te na bandeko mususu bolandi ngai kimia na kolo Yesu ezala bino to